Yoga, yoga, yogeshwaraya, bhuta, bhuta, bhuteshwaraya, kala, kala, kaleshwaraya, Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya. Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho
కర్మము చెడని పదార్థము చేరును మీ వెంట. శితిలో అమృతము ఉన్నంతసేపే అన్నదమ్ములంతా అగాధంపై పోయే నాడు ఎవరు రారు వెంట. వస్తావట్టిదే పోతావట్టిదే ఆశయందుకంట వెంట. పంచభూతముల తోలు బొమ్మతో ప్రపంచమాయనట అంతము వరకు కించదాసతో పెంచెను జగమంతా. వస్తావట్టిదే పోతావట్టిదే ఆశయందుకంట చేసిన కర్మము చెడని పదార్థము చేరును మీ వెంట చేరును మీ వెంట. Namaskaram. Namaskaram à vous tous. Well, eh bien, as you know, comme vous le savez, lockdown le confinement est prolongé. What this ce que ça veut dire essentiellement, c'est qu'on n'a pas confiné assez fort, d'où le prolongement. Autrement, si le monde entier coopérait, chaque être humain, 14 jours de confinement, et on en finirait. Mais pendant que tout le monde le fait, il va y avoir un radical libre qui sera là, qui veut exhiber à quel point il est compulsivement libre. Et ils se mettent à faire quelque chose.
À cause de ces quelques personnes, confinement, évaluation de la situation, et encore confinement, et encore confinement. Si tout le monde s'y mettait, boum, en 14 jours, ça devrait être fini. Eh bien, comme nous travaillons encore à notre évolution, passer de l'état de créature à celui d'être, on y travaille encore. À cause de cela, à nouveau un confinement. Eh bien, je suis sûr qu'il y a beaucoup de frustration parmi les gens qui sont stressés au niveau économique, d'un côté. D'autres fabriquent tout leur stress rien que dans leur tête. Toutes sortes de gens avec différentes sortes de stress. Donc il y a un certain degré d'agitation naturellement chez les gens. Parce que, en particulier en Inde, probablement comparé à toute autre nation, il faut dire que les citoyens de cette nation s'en sortent mieux que quiconque en ce qui concerne l'efficacité du confinement. En ce moment, l'infection est vraiment cantonnée à quelques endroits en Inde. Presque 20% des chiffres concernant l'activité du virus, à la fois en termes de nombre d'infections et de victimes, 20% rien qu'à Mumbai. Mumbai, Ahmedabad et Delhi réunis représentent 60%. Dans une poignée de districts, dans environ 14 districts, presque 85%, le reste du pays est en grande partie intouché. Ça veut dire qu'ils ont bien réussi le confinement. Grâce à la police, grâce aux médecins, et surtout, grâce aux citoyens qui ont maintenu cette discipline et ainsi empêché qu'il y ait une contagion massive au sein d'une population aussi énorme. Mais malgré tout, cette décision très impopulaire que le gouvernement doit prendre, qui est à la fois socialement, politiquement et économiquement une décision très dommageable, mais ils doivent la prendre, car si maintenant vous laissez ces quelques villes qui sont atteintes, si vous leur laissez libre cours, elles vont infecter tout le pays d'ici un mois ou deux. Donc, nous entrons à nouveau dans ce processus. C'est douloureux pour les gens, très douloureux pour le pays. Malgré cela, on s'y met. Et je dois apprécier cela. Alors, on sait la plupart du temps toujours plaint dans ce pays que le gouvernement prend des décisions populistes, même si elles sont mauvaises à long terme. Heureusement, avec ce virus, ils prennent des décisions absolument sensées, qui ne sont certainement pas populistes ni populaires, mais ils prennent ces décisions, à la fois le gouvernement de l'Union et quasiment chaque État. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'en bout de ligne, au niveau des districts, des taluks, des villages, même à ce niveau-là, les dirigeants et l'administration semblent comprendre ceci parfaitement bien, et ils font un travail fantastique, ce qui est vraiment merveilleux. En termes de pourcentage de population, je crois que l'Inde est au top. Étant donné la taille de notre population, le nombre d'infections qu'on a et le nombre de victimes qu'on a en ce moment, nous sommes au top, nous devons y rester. Et c'est pourquoi le confinement. Eh bien, je sais que bien des rêves de célébration le 4 mai se sont évanouis. De toute façon, même le 17 ou le 18, vous ne devriez pas penser à de telles célébrations. Vous devez penser à taper dans vos propres mains. C'est une célébration sympa. Vous pouvez le faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça vous chante. Pas de célébration au sens habituel.
aller faire la fête, se prendre dans les bras, s'embrasser, se saluer, toutes ces choses-là, non, cela doit s'arrêter à un certain temps. Pas mal de temps, je dirais, peut-être 6 mois ou 9 mois, ou peut-être 24 mois. Hey, vous l'avez fait toute votre vie, où est le problème? Un peu. Tout ça, ce sont des choses que vous fabriquez juste dans votre tête, et ensuite vous pensez, quelque chose ne va pas, rien ne va pas, vous serez en bonne santé, vous serez bien. Même la sadhana spirituelle s'établit très bien si vous maintenez une distance physique vis-à-vis des gens. C'est très bien pour un chercheur spirituel qu'il y ait de la distance, très bien. Parce qu'une des dimensions de la spiritualité est d'organiser vos propres énergies en un cocon autour de vous. Il voyage avec vous, où que vous alliez. Parce que il ne s'agit pas juste de contracter le virus ou pas, il s'agit de ne pas collecter de nouveaux runanubandhra. Vous ne voulez pas ramasser la substance karmique inutile de partout. Donc, ceux d'entre vous qui sont en quête spirituelle et ceux qui n'y sont pas, c'est l'heure de s'y mettre, parce que la spiritualité ne consiste pas à aller au ciel, mais à se tourner vers l'intérieur. Si vous vous tournez vers l'intérieur, que vais-je obtenir? Tout. Parce que tout ce que vous avez jamais connu, votre joie et votre malheur, votre douleur et votre plaisir, votre souffrance et votre extase, tout et n'importe quoi n'a eu lieu qu'en vous. Si le paradis arrive, il n'y a que si vous en faites l'expérience en vous qu'il existe. Autrement, il n'existe pas pour vous. Ce que vous n'éprouvez pas n'existe pas pour vous. C'est aussi simple que ça. Donc, il s'agit de se tourner vers l'intérieur et de conduire celui-ci à son maximum. Si vous le menez à son maximum, que vais-je obtenir? Vous obtiendrez le droit de vivre. Autrement, dans cette composition, dans ce corps, où à la fois la vie et la mort ont lieu en même temps, ceci est une mort en vie. Est-ce que vous éprouvez cette vie comme une mort ou comme une vie? Cela dépend d'à quel point vos énergies vitales ont été améliorées en vous. Quand je dis à quel point votre expérience est-elle une expérience de vie ou de mort, ça veut dire vous avez peur. C'est une sorte de mort. L'anxiété, une autre sorte de mort. Le stress, une autre sorte de mort. Êtes-vous mourant la plupart du temps ou êtes-vous vivant la plupart du temps? Ça, vous pouvez le déterminer. Que vous donner de plus? Vous voulez une médaille d'or? Eh bien, vous pouvez avoir une médaille d'or si vous voulez, mais vous allez devoir la porter. Donc je pense à faire, à la fin de tout ça, si chacun d'entre vous tient ce confinement de façon vraiment efficace, j'envisage de fabriquer une médaille d'or pour vous tous. La seule chose, c'est que vous devrez tous la porter tout le temps. Parce que vous savez, je suis généreux. Je ne suis pas quelqu'un qui donne juste ça de métal. Une médaille d'or de 25 kilos, de l'or pur. De l'or pur. Mais vous devez tout le temps la porter. Vous verrez la douleur de l'or. Ce que je dis, c'est que nos priorités ont été si totalement à côté de la plaque. Quelqu'un me disait il y a 3 jours, « Oh, Sadhguru, cette personne, un cœur en or. » J'ai dit, « Je n'aime pas ça. » Un cœur qui bat, ça me plaît. Un cœur en or, non. Que vais-je faire avec un cœur en or? Non, Sadhguru, vous avez un cœur en or. J'ai dit non. Je ne veux pas être à un monument avec un cœur en or qui ne bat pas. Ce que j'aime, c'est un cœur bien musclé qui bat bien, régulier, à l'aise. J'aime ce cœur. Je ne veux pas d'un cœur en or. Donc nous avons nos trucs totalement de travers dans la tête.
Quand un enfant naît, même au Tamil Nadu, c'est très répandu. Tangame, tangame. Ça veut dire mon doré, mon or, or, or. Donc vous pensiez accoucher d'un tas d'or, mais vous avez eu un tas de chair. Mais ce qui est bien avec la chair, c'est qu'elle pousse. L'or, vous allez le fondre. Car qu'allez-vous faire? Disons que vous accouchez d'un bébé qui est en or. Que faites-vous? Quelqu'un va lui couper les mains, les pieds et les fondre. Vous ne le ferez pas fondre entièrement d'un coup, vous le ferez par étapes. Ceci est arrivé. Il y avait un homme en Louisiane. Et un jour, il a un invité chez lui. Et l'invité voit un cochon dans la maison, dans le salon, avec une patte en moins, et il était là. Et quand le téléphone a sonné, le cochon est allé répondre au téléphone. Il dit, « Non, Monsieur Johnson est occupé. » Le gars dit, « Quoi ? Un cochon qui répond au téléphone ?» Il dit, « Oui, oui, il parle très bien. Il s'occupe même de mes déclarations d'impôts. Il est très bon, très capable. » Vraiment ? Mon Dieu, un cochon qui fait le réceptionniste, il fait votre secrétaire, s'occupe de votre comptabilité, de vos déclarations d'impôts. IRS returns. Wow. C'est un cochon miraculeux. Mais comment se fait-il qu'il ait perdu une patte? Il dit, voyons, un cochon si précieux, on ne va pas le manger tout entier d'un coup. Donc, vous avez cette habitude de donner une fausse valeur à quelque chose. C'est aussi ce qui se passe. Les gens deviennent fous au sujet de l'économie. Oui, il y a de la douleur, il y a une douleur économique, mais vous n'avez pas à devenir fou. Au moins, votre entreprise n'a pas été brûlée, votre maison n'a pas été bombardée, votre bureau ne s'est pas effondré. Tout est intact. Seul vous n'êtes pas là. Les oiseaux en profitent, eux. Après avoir vécu des milliers d'années ici, en 6 semaines, si nous, on n'est pas là, si tout ce qu'on a construit va s'écrouler, la civilisation qu'on a construite, alors quelle civilisation minable a-t-on construite, je vous le demande? Après des milliers d'années d'existence ici, en 6 semaines, tout ce que nous avons créé va disparaître. Que va-t-il se passer? Le monde ne sera plus jamais le même. Ces débats ont lieu partout. Non, il sera là, un peu. Nous, on l'a toujours fait. Pour nous, aucun changement. Eh bien, nous ne pouvons pas faire de gros programmes. 8000, 10000, 25000 personnes ne peuvent pas se rassembler. C'est OK. Pour quelque temps, ça va. Nous allons devoir modifier beaucoup de choses, ce que nous sommes en train de faire. De même, tout le monde doit s'adapter en fonction de son activité. Va-t-on souffrir au niveau économique? Absolument. Nous aussi, ici, allons beaucoup souffrir au niveau économique. Parce qu'il y a beaucoup de responsabilités que nous devons tenir, quoi qu'il arrive. Mais il n'y a aucune rentrée de nulle part. C'est le cas pour diverses institutions, établissements scolaires, entreprises, petits commerces, grandes entreprises et le gouvernement lui-même. Pas de revenus. Donc, une chose importante est de maintenir l'agriculture pour que, même si on n'a pas d'argent, on a de la nourriture. On a de la nourriture à manger. Une fois que vous avez bien mangé, il n'y a aucune raison de se plaindre. Oui. Dans cette culture, au Tamil Nadu, si vous allez dans un village, ils ne vont pas vous demander comment ça va. Ils vont vous dire « Saptingla ?»
That means, have you eaten? Ce qui veut dire, avez-vous mangé? Parce que if you've eaten, si vous avez mangé, quel autre problème pouvez-vous avoir? Rest is all in the head. Tout le reste est dans votre tête. Once you've eaten, une fois que vous avez mangé, quel autre problème avez-vous? Ceci est le seul problème existentiel. Le reste ne sont que des cas psychologiques, différentes sortes. Ils trouveront tous leurs semblables. Si 100 cas psychologiques du même genre se rassemblent à un endroit, ils vont en faire un grand mouvement, tout stocké à un grand mouvement. Vous pouvez donner à cela bien des noms merveilleux, mais essentiellement, personne ne vous tire dessus et votre estomac est rempli. Les gens qui ne peuvent pas remplir leur estomac, qui même pour ça n'ont pas les moyens, ça nous devons nous en occuper. Il n'y a pas de problème, si vous cultivez de la nourriture, le gouvernement peut tout acheter à l'agriculteur à crédit et distribuer à crédit. Vous paierez plus tard. Aujourd'hui, mangez. Mangez aujourd'hui et payez dans un an. Ou mangez aujourd'hui et oubliez le paiement, vous payez seulement l'agriculteur pour ce dont il a besoin parce qu'il vous fournit en nourriture. Le reste d'entre nous, simplement mangez, méditez, faire ce qu'on a à faire, comme je le disais, vous avez obtenu 15 jours en plus, vous tous. Physiquement, vous devez devenir 10% plus en forme, mentalement 10% plus capable, émotionnellement 10% plus stable, 10% plus compétent dans quoi que vous fassiez avec votre vie. Wow. Quel pays et quel monde nous aurons? 10%, vous savez ce que ça va faire? D'énormes changements se produiront. Donc, il n'y a pas besoin de grogner. Cette fois, ces 15 jours, nous devons faire ça vraiment bien. Mais le problème c'est, qui doit le faire? Shankaran Pillai va au Texas et épouse une femme catholique. Puis, confinement. Autrement, quand il allait au travail, il s'arrêtait au premier Starbucks pour prendre son café et partait au bureau, de bonne heure, avant qu'elle se lève. Maintenant, il est à la maison. Donc, une discussion commence tard dans la soirée. Qui doit faire le café le matin? La femme dit, tu te lèves plutôt que moi, tu fais le café. Shankaran Pillai dit, non, ça ne marche pas comme ça. Je viens d'une culture où c'est le devoir de la femme d'aller allumer le feu le matin. Un homme ne devrait pas le faire. C'est une tradition. Elle dit, aucune tradition pour moi, tu te lèves plus tôt, donc tu fais ton café. Alors ils se disputent. Puis elle dit, « Eh bien, je vais te dire une chose, ce n'est pas juste mon point de vue. Même dans la Bible, il est dit que tu devrais le faire. » Il lui dit, « N'importe quoi. Comment la Bible peut-elle dire que c'est moi qui dois infuser le café? Je n'y crois pas, montre-moi ça. » Alors elle apporte l'Ancien Testament et lui montre que sur beaucoup de pages, en haut, c'est écrit « Hebrew ». Donc, il a infusé. Alors maintenant, qui doit faire marcher le confinement? Est-ce le Premier ministre qui doit le faire? Les ministres des États doivent le faire? La police locale doit le faire? Non. Vous et moi devons le faire. Vous devez faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin d'autres confinements. Nous devons le faire tellement à fond que ce satané virus n'aura nulle part où aller. Oui, quel que soit notre inconfort, nous devons nous assurer que le virus ne passera pas d'une personne à l'autre. Si nous tenons ce confinement de façon absolue, il sera parti. On se dit tout le temps, les êtres humains n'y arriveront pas. Eh bien, pour une fois, pourquoi ne pas montrer que nous pouvons y arriver? Si on y arrive, eh bien, nous pourrons reprendre nos activités aussi vite que possible, reconstruire ce qu'on a perdu,
rendre cet endroit digne d'y vivre. Avant tout, si nous faisons cette seule chose, nos vies vont changer. La façon dont nous vivons va changer. Si nous pouvons efficacement appliquer le confinement, chaque citoyen, de façon absolue, en s'assurant, si vous avez le virus, je ne l'attrape pas, si je l'ai, personne d'autre ne l'attrape, c'est tout ce que confinement veut dire. Confinement ne veut pas dire que vous devez fermer la bouche, vous pouvez encore parler. Allô ? Si vous venez au centre de yoga, elle aussi, on va la fermer. Maintenant, confinement ne veut pas dire que vous devez la fermer, vous pouvez bavarder autant que vous voulez, de toute façon, vous avez un téléphone avec vous, et le virus ne passe pas par le téléphone, c'est garanti. La seule chose, c'est, si vous l'avez, je ne dois pas l'attraper. Au cas où je l'attrape, personne ne doit l'attraper, c'est tout. C'est tout ce que confinement veut dire. Ne pensez pas que ce soit tout un mécanisme complexe. C'est tout ce que ça veut dire, que vous ne fournissez pas de moyens de transport au virus. Si chacun d'entre nous s'y met, simplement de façon absolue, c'est réglé. 15 jours, quiconque a même un petit niveau d'emploi aura de la nourriture pendant 15 jours. Les rations sont distribuées. Si quelqu'un n'a vraiment rien, tout un tas de gens, y compris nous, tout un tas de gens, à bien plus grande échelle dans tout le pays, fournissent de la nourriture. Donc personne n'a à devenir vraiment affamé au 21e siècle. Comme il y a des transports qu'on peut accéder aux gens et communiquer, on peut s'assurer que personne n'ait faim. Donc une fois l'estomac plein, saptingla, adhikaprena, otamadra, c'est tout, parce que la nourriture est un problème existentiel. Une fois que ça s'est pris en charge, le reste, ce ne sont que absurdités psychologiques. Apprenez à les gérer. Ces 15 jours peuvent devenir une période phénoménale pour vous, où vous devenez capable de gérer n'importe quelle fichue situation qui se présente dans nos vies. C'est le bon moment pour apprendre cela, c'est très important. N'essayez pas d'orienter le monde vers vos besoins. Vous vous transformez de telle façon que quoi qu'il arrive dans le monde, vous allez quand même bien. Vous rendre tel que vous êtes apte à vivre dans ce monde est plus important que d'essayer de reformer le monde pour qu'il s'adapte à vous, pour qu'il soit adapté à vous. Cela n'arrivera jamais. Vous devez devenir de telle manière que peu importe comment est le monde, vous allez vous y adapter et quand même faire de votre mieux. C'est une bonne occasion d'apprendre. C'est un apprentissage en douceur. On appelle ça une guerre, on les appelle combattants. Maintenant, le Premier ministre a dit que tous les citoyens sont des combattants du Covid. Un combattant est quelqu'un qui fait constamment face à sa mortalité. C'est pour ça que tout le monde s'incline devant lui, parce qu'il y va consciemment et risque sa vie. Il peut mourir à tout moment. C'est ce que guerre veut dire. Si c'était comme dans le cinéma indie ou tout autre cinéma, on pourrait faire la guerre, on pourrait tous vous tuer, et à la fin du film, vous allez tous vous relever et partir. La guerre est une grande chose, vous savez. Le seul problème, c'est que les gens y perdent leur vie. C'est ce que ça a de terrible. Donc ici, il y a une guerre. Personne ne vous tire dessus. Votre maison ne va pas être détruite. Il ne va rien se passer. Tout ce que vous avez à faire, c'est de rester à 2 mètres de tout autre être humain pendant 15 jours. Vous assurez de ne pas l'attraper. Si vous l'attrapez, vous assurez que personne d'autre ne l'attrape. C'est tout. Confinement. Terminé. À nous de jouer. Cette question vient d'Ashok Kumar. Namaskaram Sadhguru. Je veux savoir pourquoi cette création a été créée initialement. Ayoyo, ce n'est pas moi qui l'ai faite. Est-ce moi qui l'accuse ? Et aussi, pourquoi on n'accorde même pas à celui qui est créé la liberté de connaître la nature de sa propre existence? Celui qui est créé. Oh, créé, pas le créateur, d'accord. S'il n'était pas possible
que vous connaissiez la nature de votre propre existence, pourquoi est-ce que je gâcherais ma vie avec vous? Parce que si ce n'était pas possible, à quoi bon? Peu importe le genre d'idiot que vous êtes, c'est toujours possible. Voilà pourquoi l'effort. Sinon, à quoi bon? C'est ce que le processus spirituel signifie, que vous n'avez exclu aucune vie, parce que toute vie est une possibilité. L'une est comme ceci, l'autre est comme ça, l'autre comme ça, l'une a l'air stupide, l'autre a l'air intelligente, peu importe. La société fait ses jugements. Mais en tant que vie, elle a suffisamment d'intelligence pour exister. Parce que pour exister, elle a besoin de beaucoup d'intelligence. Toutes ces choses qui fonctionnent. Pas une ou deux choses, des millions et des millions de choses ont lieu. Si vous avez l'intelligence d'exister, vous avez l'intelligence de savoir. Mais vous êtes un peu distrait. Vous n'avez pas appris à exploiter votre intelligence, donc elle vous fait un peu mal à la tête. Si elle vous donne mal à la tête, quand je dis mal à la tête, pas seulement les maux de tête du virus, je parle de, vous savez, de quelque chose qui vous dérange. Ça veut dire que vous avez assez d'intelligence pour vous créer des problèmes. Si vous savez comment créer un problème qui n'existe pas, dites-moi, créer quelque chose demande plus d'efforts et nécessite plus de substance, ou ne rien créer nécessite plus de substance. Évidemment, créer quelque chose, créer tous ces mensonges dans votre mental demande beaucoup d'intelligence et d'efforts. Mais c'est une façon de s'y prendre. Si je vous donne un tournevis pour faire un travail simple ici, vous le mettez dans vos oreilles, vous vous dites, c'est bien comme ça, ça va marcher un certain temps. Et puis vous avez pensé, cela aussi vous le faites, mais un jour quelque chose se passe dans vos yeux. Eh bien, vous le savez. C'est tout ce qui vous arrive. Ça peut sembler à ce point ridicule, mais c'est aussi ridicule que ça. C'est tout ce que vous vous faites. Je n'ai pas arrêté de le dire. Si on vous retire la moitié de votre cerveau, vous n'aurez besoin d'aucune spiritualité, vous resterez assis sereinement. La bouche pourrait s'ouvrir un peu, mais où est le problème? Mais vous deviendrez paisible. Donc votre problème n'est pas que vous n'avez pas assez d'intelligence pour savoir, votre problème c'est que vous ne l'avez pas exploité. Alors, pourquoi le Créateur ne peut-il pas l'exploiter aussi pour moi? Que dites-vous de ça? On vous a donné un cheval et on vous a donné deux jambes pour le monter. Non, pourquoi ne pouvez-vous pas le monter pour moi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, vous pouvez le faire. Si vous restez comme un enfant, pas encore né, le Créateur s'occupera de tout. La source de la création s'occupe de tout si vous n'êtes pas là. Comme vous êtes là, on vous a donné un rôle à jouer. Même une petite fourmi, cette fourmi est un problème. Certains font des commentaires sur mon exemple de la fourmi et de l'être humain parce que il y a des gens qui prennent les exemples à la lettre. Si je dis une fourmi et un éléphant, qu'est-ce qu'il raconte? Quel lien entre les fourmis et les éléphants? Ce ne sont pas les mêmes espèces. Qu'est-ce qu'il raconte? Je n'ai pas dit qu'elles se sont mariées. Donc,
Donc, même si vous prenez la plus petite créature, vous savez, il y a des créatures bien plus petites que les fourmis. Il y a le virus, bien sûr. Mais normalement, dans le langage, fourmi veut dire, c'est une chose présente partout. Peut-être que les gens qui vivent dans des appartements n'en ont jamais vu, donc ils pensent que je parle d'une créature. Mais sinon, pour ceux qui ont vécu sur cette planète, les fourmis sont partout. Donc, une toute petite créature, et vous, si vous regardez ça, la fourmi aussi peut faire ses propres trucs, à sa propre manière, avec le petit cerveau qu'elle a. Elle veut faire son propre truc. Elle va quelque part, bloquer la route, et voyez, j'ai passé des mois à essayer de comprendre ces fourmis. Et j'ai été époustouflé par leur intelligence et leur sens de la survie. La façon dont elles gèrent les choses est assez incroyable. Et leur sens du trafic. Tous les habitants de Bangalore ont besoin d'une formation de fourmis. Elles avancent simplement comme ça, aucune ne rentre dans l'autre. Elles avancent simplement comme ça, ok? Donc ça me fascinait tellement, j'y ai passé tellement de temps, on met juste sa main ici, elle veut suivre sa propre route, elle ne va pas changer de route et s'en aller ailleurs. Elle va buter comme ça, comme ça, comme ça, arriver là et repartir. Parce qu'elle veut faire son propre truc. Donc ceci est la nature de la vie. Pas seulement cela, chacune des créatures est... C'est une magnanimité de la création. Elle vous a donné une expérience individuelle. Imaginez simplement, si vous n'aviez pas votre système neurologique, rien, le virus n'a très probablement pas d'expérience individuelle, parce qu'il n'a pas de système neurologique. On ne sait pas, mais je suppose... Il n'a peut-être pas d'expérience individuelle, ils sont une existence collective probablement. Mais nous, on a une expérience individuelle. On vient tous du même sol, mais on a une expérience individuelle pendant qu'on est assis ici. Ce n'est pas une petite chose, c'est une des choses fondamentales qui rend notre vie précieuse, que nous avons une expérience individuelle. Lorsque vous avez une expérience individuelle, n'est-ce pas à vous de gérer ou d'exploiter votre intelligence pour savoir? Avez-vous l'intelligence nécessaire pour savoir? Absolument. Comme je l'ai dit, si vous avez l'intelligence pour exister, vous avez l'intelligence pour savoir. Mais vous êtes, comme les gens vous ont dit que vous irez au paradis, vous l'économisez pour l'utiliser ailleurs. Mais on brûle même votre cerveau lorsqu'on vous emmène au crématorium, du moins dans les crématoriums d'Isha. Même les cerveaux sont brûlés. Donc si vous l'économisez pour l'emmener là-bas et l'utiliser, non, on va le brûler ici. Là, on ne sait pas s'ils vont vous donner un cerveau ou pas. Oui. Comme ici, le vôtre ne fonctionne pas, c'est pour ça que vous voulez aller ailleurs. Il est temps que votre corps, votre cerveau et vos énergies, vous les fassiez marcher ici, au maximum de leur capacité, et que vous les preniez en main, et les fassiez aller là où vous voulez. Actuellement, ils ne font qu'éclabousser partout. Votre intelligence ne fait que déborder partout, en vous causant des ravages à vous-même et à tout votre entourage, oui. Donc ce n'est pas que la création ne vous a pas donné les moyens. Les moyens sont là, vous devez les utiliser. Si vous ne les utilisez pas, vous les utilisez contre vous-même. Confinement, 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 et vous vous frappez vous-même. Si vous regardez vraiment, le confinement est la meilleure chose qui vous soit arrivée dans votre vie, si vous me le demandez. Parce que 6-8 semaines, qui a jamais eu autant de vacances? Oh, je ne peux aller nulle part. Ce n'est pas le sujet. Vous avez du temps. Vous pourriez faire tant de choses. Vous pourriez faire tant de choses avec vous-même et ce qui vous entoure, les gens autour de vous. Aujourd'hui, je parlais à des policiers. Vous savez, c'était une sorte de conversation. Ils disaient, même à Chennai, le nombre de cas de violence conjugale est en hausse. Comme vous ne savez pas comment être, vous vous tapez les uns sur les autres. C'est absurde. Ces gens sont ceux que vous appelez votre famille, hein?
All the best. Bon courage. If this is si c'est comme ça que vous gérez votre famille, bon courage. Ce que vous aimez, c'est pour ça qu'ils sont... Tapad. Ce que vous aimez, vous les bousillez. C'est ça que vous aimez. Alors peut-être que le moustique aussi fait partie de votre famille. Ça doit être ça. C'est pour ça que vous les écrasez tout le temps. Il est temps que vous appreniez à vous gérer. Vous avez 15, 16 jours, beaucoup de temps. Je vous en prie, au moins, si vous ne savez rien d'autre, faites au moins ingénierie intérieure en ligne. Apprenez au moins à gérer vos pensées et vos émotions. Si vous n'apprenez pas à gérer vos énergies, ce qui peut nécessiter un peu plus, au moins vos pensées et vos émotions, comme vous les voulez. Si vous ne faites pas ça, comment espérez-vous que votre vie puisse avoir une quelconque valeur? Votre seule idée de la valeur, c'est que vous gagnez la médaille d'or. Je vais vous la donner aujourd'hui. Votre médaille d'or pèse 500 grammes de plus que celle de quelqu'un d'autre. Vous avez 500 grammes d'or de plus que la personne à côté de vous. Et vous vous sentez super. Tout ça, c'est la perversion qui a été cultivée, malheureusement. Il est temps que vous appreniez à gérer votre intelligence. Et tout le monde a assez d'intelligence pour savoir comment vivre. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Shambhala.